Bonjour, bienvenue sur Bodinprof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder le calcul de la valeur ajoutée, qui après servira de calcul à la taxe sur la valeur ajoutée que l'on connaît sous le nom de TVA. Alors qu'est-ce que la valeur ajoutée? C'est tout simplement la création de richesses par l'entreprise au cours du processus de production ou de commercialisation. Alors cette valeur ajoutée va concerner différents secteurs économiques. Le premier secteur, c'est le secteur primaire, celui de l'agriculture. Ça concernera aussi le secteur secondaire, celui de l'industrie, c'est-à-dire de la fabrication, et aussi le secteur du commerce ou des services, où on nomme le secteur tertiaire. Alors, comment va être calculée cette valeur ajoutée? Alors, nous allons nous placer dans le secteur de la production d'huile de noix. Nous avons donc un producteur qui a des noyers et qui va donc récolter ses noix. Nous partirons du principe qu'il n'a pas acheté de produits pour faire sa culture de noix. Donc il va récolter ses noix et il va les vendre donc à 3 euros le kilo. À qui va-t-il les vendre? Il va les vendre à un industriel qui va transformer ses noix en huile. Donc l'industriel, lui, va acheter 3 euros le kilo les noix. Et pour en faire de l'huile, il va devoir broyer les noix, les cuire, les presser, les décanter, les filtrer, puis les conditionner. Alors il va, par exemple, les conditionner en bouteille de 2 millilitres. Cette bouteille de 2 millilitres, ben, il va devoir la vendre. Donc il va la vendre, mettons 12 euros le 2 millilitres, à un commerçant. Donc le commerçant, de son côté, va acheter le 2 millilitres d'huile de noix à 12 euros. Ce commerçant va la stocker, la mettre en rayon en magasin, puis il va la vendre donc, par exemple, 16 euros la bouteille de 2 millilitres à des consommateurs qui vont lui payer donc le prix de 16 euros. Alors, pensez ici qu'on va être tout en hors-taxe, puisque c'est après, sur ces valeurs ajoutées, que seront calculées les TVA. Alors, calculons quand même nos valeurs ajoutées. Le producteur, lui, il est parti de zéro, il a zéro achat. Ça vient de la nature, ce qu'il a récolté. Il le vend 3, donc il a apporté une valeur de 3 euros. L'industriel, lui, a dû acheter les noix. Donc il les a achetées 3 euros, mais il les a vendues 12 euros sous forme d'huile de noix. Donc il a ajouté une valeur de 9 euros, c'est-à-dire 12 euros de la vente, moins les 3 euros d'achat. On parlera de consommation intermédiaire, on le verra juste après. Et puis après, nous avons cet industriel donc, qui a vendu sa production à un commerçant. Donc le commerçant, lui, a apporté aussi sa valeur au produit. Il l'a acheté 12, il l'a revendu 16, donc il a apporté une valeur de 4 euros. Il a vendu après son produit à des consommateurs. Le consommateur, lui, va devoir donc payer l'ensemble des valeurs ajoutées par les différents intermédiaires. Donc, il va devoir payer les 3 euros, les 9 euros et les 4 euros. Donc le consommateur va déjà, au moins sans la TVA, avoir à payer 16 euros le 2 millilitres d'huile de noix. Alors voyons maintenant la formule de calcul. Alors la formule, elle n'est pas très compliquée. On a pris le montant des ventes, on parle aussi souvent de chiffre d'affaires, auquel on a retiré les achats. Et les achats, on parlera alors de consommation intermédiaire. On aura la définition juste en dessous. Si on fait cette soustraction, nous aurons donc la valeur ajoutée. Alors revenons à la consommation intermédiaire. Ce sont tout simplement l'ensemble des biens et services transformés ou consommés au cours de du processus de fabrication. Par exemple, l'industriel, lui, a dû utiliser des bouteilles pour mettre en bouteille l'huile de noix. Comment se partage cette valeur ajoutée? C'est-à-dire, cette valeur ajoutée, elle va servir à financer quoi? Je reprends mon chiffre d'affaires, je retire mes consommations intermédiaires, donc voilà notre valeur ajoutée. Eh bien, elle va servir principalement à rémunérer les salariés et les organismes sociaux, donc verser les salaires et les cotisations. Sur ce qu'il va rester, l'entreprise va donc réaliser un bénéfice. Sur ce bénéfice, elle va en garder une partie, donc elle va s'autofinancer, c'est-à-dire financer par elle-même différents investissements. Qui dit bénéfice, dit que l'État va donc intervenir et prendre des impôts. Les banques peuvent elles aussi bénéficier d'une partie de cette valeur ajoutée si l'entreprise a fait des crédits pour investir et donc
elle devra être remboursée sous forme d'intérêt. Et puis, ce qu'il restera de la valeur ajoutée, ce que n'aura pas gardé l'entreprise, va être distribué aux propriétaires de l'entreprise sous forme de dividendes. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur le calcul de la valeur ajoutée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker et à vous inscrire sur Bodin Prof TV. Je vous remercie, au revoir.